Alors, c'est pour l'anniversaire. Tu te fais très rare, tu es discrète, tu es une femme discrète, mais on est content de t'avoir ce soir, c'est un kiff de dingue. Moi j'ai la chance de te connaître via mon papa, on va pas faire l'histoire de famille, mais voilà, t'as accompagné l'enfance de tous les gens qui sont là, tu les as fait kiffer. Le 3 juillet 1978, c'était le début de Récréa 2. Tu avais fait quelques émissions avant, mais voilà, ta vraie première grande émission de télé, c'est Récréa 2. Et quel souvenir tu gardes de ce 3 juillet 1978? Disons qu'on a failli ne pas voir Goldorak. Parce que ce premier Récréa 2, on était prêts, on allait prendre l'antenne, et tout d'un coup, on dit convocation de monde en régie. Oula. On va en régie. Un jeune homme complètement énervé en disant « Non, c'est pas possible, on ne peut pas passer ça, c'est inadmissible, le patati et patala, je vous en passe, c'était meilleur, je fais grève !» Ah, mais attends, c'était Actarus. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et ben Goldorak a gagné. Il n'a pas fait grève, et ça a été son premier jour, il y a mon premier récré à deux avec Goldorak. Incroyable, mais tu l'avais vu, toi, on l'a découvert ce soir-là, mais toi tu l'avais vu avant, t'avais eu le droit à des avant-premières, Madame Dorothée. Non, je l'ai vu en même temps que tout le monde. Incroyable, et il t'a accompagné parce qu'il y a eu Récré à deux, mais après il est revenu à Club Dorothée, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se passer de toi. On est nés ensemble à Récré à deux, on s'est retrouvés au Club Dorothée, et ce soir, on est encore avec lui grâce à vous tous, et ça, c'est un beau pied de nez pour tous ceux qui l'ont dénigré autrefois. Et tu l'as vécu comment, toi, ce moment où, heureusement, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais tu as vécu comment ce moment où il y avait énormément de monde qui voulait en fait, casser le Goldorak, qui voulait supprimer, qui ne supportait pas ça? Oui, bah, c'était assez incompréhensible. On s'est demandé pourquoi tant de haine, en fait. Et quand on demandait aux. Qui étiez tout jeune à l'époque, tu n'aimes pas, qu'est-ce que c'est? Mais hey, c'est un dessin animé, c'est à nous, il faut le garder! Bah oui, mais non, c'est vraiment des attaques qui étaient gratuites et stupides. Et des années après, tu dis, on a bien fait. J'avais le droit de regarder ces dessins animés parce que c'était Dorothée, donc Dorothée était gentille, elle était super, donc j'avais le droit du coup de regarder Goldorak et puis après Dragon Ball, c'était grâce à toi, sinon je n'aurais pas eu le droit. Donc je te remercie et on voulait tous te remercier ce soir, on a un petit cadeau pour toi Dorothée parce que bah voilà, c'est un plaisir tellement énorme de t'avoir. C'est notre hôte, on va mal expliquer alors. Vous ne comprenez pas. Ah, je suis désolée.
Est-ce que tu peux réaliser notre rêve ce soir? Est-ce que... Tu peux réaliser notre rêve ce soir? Oui. C'est pas aujourd'hui, mais c'est pas grave. Tu peux nous souhaiter notre anniversaire? Alors, un très bon anniversaire au petit Manu. Oui, c'est moi. Un très bon anniversaire, notre ami Florian. Ah, merci. Et un bon anniversaire à Goldorak. Oui, bien sûr.